Chers amis, chers adhérents du Centre communautaire de Paris, parmi toutes les cordes que le nouveau Centre communautaire de Paris compte à son arc, l'une des plus importantes est représentée par les activités du domaine cultuel, c'est-à-dire la synagogue tous les jours, le Talmud Torah et le Beit HaLimoud. Pour ma part, je vous parlerai dans un premier temps uniquement de la synagogue et des activités qui l'animent, et dans un deuxième temps, du Talmud Torah. La synagogue est ouverte pour vous accueillir tous les jours, tous les matins, pour prier ensemble. Et puis, comme nous abordons la nouvelle année, le mois de Tishri, je voudrais vous communiquer l'ensemble du programme des prières qui vous seront organisées pour vous et pour vos familles à la synagogue du Centre communautaire de Paris, à savoir Rosh Hashanah, avec le chauffard évidemment, suivra le jour du grand pardon, et puis la fête de Soukhot. Rosh Hashanah se passe au Centre communautaire même, au contraire des prières de Kippour qui, elles, se divise en trois. Un office est organisé au Centre communautaire de Paris. Un autre, du rite tunisien, est aussi organisé dans la salle des fêtes du Centre communautaire de Paris. Et puis, un troisième office de Kippour, qui se déroule depuis presque une trentaine d'années, dans la salle de la mairie du 9e arrondissement, à la rue Drouot, à la salle Rossini. Ensuite, nous vous accueillerons tous de la façon la plus conviviale pour prier avec nous et manger avec nous sous la souka qui est érigée au 5e étage du Centre communautaire de Paris, avec une possibilité de réserver vos places et même pendant les mi-fêtes, venir déjeuner ou dîner sur réservation à la cafétéria qui propose une carte de menu à consommer sous la souka. Enfin, la dernière partie des fêtes de Tishri se subdivise en deux grosses parties. La première, Hosha'an Araba, la veillée de lecture et de prière qui se déroule à la synagogue au Centre communautaire, suivie d'un petit déjeuner sous la souka vers 9h du matin. Enfin, Simchat Torah, la danse avec les Sépharim pour exprimer notre joie de la Torah et pour la Torah, qui se terminera par un déjeuner des Hatanim, offert par les Hatanim et le Centre communautaire de Paris. Et c'est par cela que nous vous remercierons de vos efforts et de votre participation et de votre générosité durant toutes les fêtes de Tishri. J'espère vraiment vous voir très nombreux à nos offices. Shana Tova, beaucoup de chance et de bonheur à vous, à vos enfants et vos familles. Beaucoup de santé et que vous soyez écrit, inscrit dans le livre de la vie pendant longtemps encore.